Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers abonnés, chers amis, kerakom, touahechtkom, j'espère que touahechtoun ikimet touahechtkom. Robtalikom chouya, saïf, les vacances, je voulais me reposer un petit peu. Akwarafin, c'est important de se reposer pour bien reprendre. Lioumoulitlkom, la vidéo ta'i, ta'lioum, les radin hadrofiha chouya, ala les meilleurs sites de traduction. Lèche, parce que, comme vous savez, cette année universitaire, inshallah, on va commencer par une nouvelle langue, la langue anglaise. Je sais, ça vous stresse un petit peu. Je suis à Beïda Alina parce que finalement, on a un peu le français, un peu, je suis à Derija, je suis à Apia. Mais bon, c'est un nouveau système, on doit s'adapter avec. Donc, pour passer une bonne année, inchallah, et avoir de bons résultats. L'objectif est. Donc, comme avec les 5 meilleurs sites que j'ai trouvés sur le net, des sites gratuits bien sûr, pour la traduction, pour traduire les cours tawakum. Pour ma part, les cours tawi, donc je n'ai pas encore commencé à travailler sur, mais je vous rassure que comme les vidéos que vous voyez en français, donc je vais essayer de les réenregistrer en anglais, d'accord. On dit comme un support en anglais, les cours. Après, pendant la séance du présentiel, donc on ne sait pas encore quelles sont les instructions. Est-ce que on va enseigner de la langue ou là on va l'utiliser juste pour les textes et les examens. Donc, Mohim qui dida, c'est sûr, je vous tiendrai au courant. Perdu. Donc voilà. Les 5 meilleurs sites que j'ai trouvés pour vous, des sites gratuits qui font de la traduction professionnelle. Parce que vous savez que le problème dans la traduction, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui traduisent automatiquement, donc automatiquement le mot il est traduit. Sans prendre en compte le contexte, ça n'a sur l'aspect scientifique, c'est un peu difficile. Donc, qui dit la traduction, le texte, est-ce que c'est le sens britannique ou là, c'est le sens. Voilà. Donc, j'espère que Radina, comme je suis avec la vidéo, vous allez vous retrouver. Donc, le premier site que j'ai trouvé, c'est Deeple. Donc, Deeple, c'est un site qui a été créé en 2019 par une équipe qui fait aussi un autre site à traduction, plus tard. Donc, le site, seulement, le seul problème, c'est qu'il est limité les langues. Donc, il y a 7 langues, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et le néerlandais et le polonais. D'accord? Mais bon, vous, puisque vous êtes intéressé par une traduction, il y a Ima arabe-anglais ou la français-anglais, donc le site, normalement, il s'aide. Ok? Donc, le deuxième site, c'est le site que vous connaissez certainement, que vous utilisez certainement, c'est Google Traduction. Google Traduction, donc, comme vous pouvez le constater, Mandesh, une limite à les langues, donc, où il traduit, avec, selon ma propre expérience, malgré que je l'utilise beaucoup, mais, c'est-à-dire Google, il ne prend pas en compte le contexte. C'est-à-dire, il traduit une traduction un peu automatique. Donc, les daimen, il faut toujours repasser après sa traduction pour régler certains mots qui sortent de leur contexte. Voilà. Donc, head à le deuxième. Le numéro 3, c'est le site Reverso. Le site Reverso Heda. Il est très bien parce que il peut traduire le français, il peut traduire jusqu'à 25 langues. Donc normalement, Heda, il faut le tester. Donc normalement, c'est Adcom. Ok. Le numéro 4, c'est justement Lingi. Donc Lingi Heda, c'est un site qui a été créé par la même équipe qui a créé le premier Adcom, les Deeple. Donc Heda, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il prend en considération le contexte. Donc, il vous propose, il y a plusieurs propositions à la traduction parce qu'il prend en compte le contexte, donc avec des exemples et tout. Donc, normalement, Heda Mli. D'accord? Et je termine par le numéro 5, les Hua Sistron. Sistron Heda,
C'est un logiciel, en fait, ils vendent des logiciels de traduction professionnelle. Donc, là, ils vendent des logiciels de traduction professionnelle, mais en plus de ça, ils proposent sur le site Terra un espace de traduction gratuite. C'est le même principe. Bon, le truc, il y a deux espaces. L'espace où ils mettent le texte comme que vous voulez traduire, ou l'espace où ils vous récupérez le texte déjà traduit. Donc, c'est un site, Tanimlih. Voilà les cinq sites. J'espère que ça aide comme chouïa pour commencer l'année. Elle est belle et bilique, c'est pas évident, mais on va essayer de travailler ensemble de telle manière à vous faciliter un petit peu l'acquisition de l'information à travers la traduction. Ok? Alors, pour ma part, pour ma propre expérience, parce que vous savez que partager ma comme Damon les expériences théoriques, donc moi, je vous conseille l'application que j'ai moi-même téléchargée, que je connais depuis longtemps, que j'ai jamais testée, c'est Duolingo. Alors, Duolingo, Heda, c'est une application qui est très bien, qui est très simple, et vous pouvez vous exercer pour parler l'anglais courant passer à l'anglais professionnel. D'accord? Et dans un premier temps, c'est une application qui est gratuite. D'accord? Mais si vous voulez avancer les niveaux et tout, donc elle vous propose des formules payantes qui vous permettent tout simplement d'avancer. Donc voilà, je vous la conseille. Bon, c'est à vous de voir. Si vous voulez, avec détail. Et comme d'habitude, donc si vous voulez prendre contact avec moi, vous me contactez sur Messenger. Mais aussi, cette année-là, donc j'ai introduit Telegram. Donc vous pouvez me contacter sur l'adresse sur Telegram. On va progressivement, donc je ne vais pas passer directement mon Facebook, le Telegram, je vais passer progressivement parce que je trouve aussi que c'est une application qui est assez intéressante. Voilà, j'espère que je compte sur vous donc pour commencer une bonne année, pour vous recharger au maximum, pour continuer l'aventure avec moi. Je sais qu'il y a toujours des fidèles qui me suivent, donc je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Là, proposez-moi ce que vous voulez, Goulouli, Cherskom, et moi je suis là pour répondre positivement à votre demande. À bientôt, Inch'Allah.